Salut, c'est Glove Grass en direct de Face à la Cam pour Strong de King Move. Alors, quand je dois me présenter, je m'appelle Gloire Grasse, j'ai 22 ans, je suis une jeune artiste gospel. Après, moi, je sors pas trop, donc en vrai, bien, ça s'est bien passé. Des réseaux, parce qu'on n'a que ça à faire. Ensuite, je lisais beaucoup. Le seul rocher sur lequel on peut vraiment s'appuyer, c'est le Christ. Ma volonté, c'est qu'il reste tout près de moi. On a souvent tendance à pas très bien comprendre le fin fond du message, mais là, il est clairement passé et c'est que du positif. Après ça, c'est sûr, quand tu commences une carrière, c'est sûr que t'as le projet d'un album ou d'un EP. Donc oui, ils peuvent s'attendre à un EP. Ouais. Très encourageant, malgré qu'on ne fasse pas la même musique, c'est des gens qui sont dedans, ça veut dire que quand on me dit que tu fais du bon travail, que ta musique elle est bonne, que c'est bien mixé, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que oui, j'apporte un message, mais le message il est bien apporté, il est bien construit, et c'est propre, c'est du bon boulot quoi. Après, c'est pas mon style de musique forcément, c'est pas ce que j'écoute, mais bon, après c'est des grands artistes, hein. On n'a pas besoin de les écouter, on les entend pas. De ma vie, de mon parcours, ma relation avec le Christ, donc de moi en premier. Mes chansons, c'est mon témoignage. C'est-à-dire que tout d'abord, je m'inspire de ma vie et de ma relation avec Christ. J'ai pas vraiment de style favori. En fait, moi, j'écoute plusieurs styles de musique. Enfin, ce que j'aime, j'écoute. J'ai pas vraiment de style vraiment où je me dis ça, c'est vraiment ça mon style parce que j'écoute presque tous les styles. Mais si je devrais en choisir un, je dirais quand même R&B. Même worship, tout ce qui est centré sur ça. Si je devais en choisir qu'un seul style, mais sinon, entre autres, moi, j'écoute plein de styles. J'ai pas vraiment de style favori. Ce que j'aime, j'écoute. J'ai grandi dans la musique gospel, mon grand-père, mon papa, en fait toute la famille à mon père. Ça s'est fait naturellement. Personne ne m'a forcé, personne ne m'a envoyé. J'ai vu, j'ai aimé, j'ai appris, j'ai commencé. J'ai grandi avec la musique de mon pays. Être en collaboration avec un artiste que j'ai écouté presque toute ma vie, c'est une grande opportunité. Au contraire, c'est super intéressant et pour moi, c'est quelque chose que je veux faire. Je dirais Charles Mambaya, ensuite Thomas Le Coffey et Fiston Bui. Et les chansons, vraiment les chansons que je peux pas passer une journée sans écouter. À Fiston Bui Surpris, Michel Bakenda, L'amour est une personne, Amanda Malela et Ruth Musam. Je peux vous attendre à tout avec moi. C'est-à-dire que bon, je vais pas tout non plus vous dire, mais en tout cas, je vous prépare plein de choses. Instagram, Gloire Grasse, Twitter, Gloire Grasse, Snapchat, des moines.